Naquela? Da Pablo. Os caras se já foram contra. Hop là, on tourne. On commence de ce côté, alors ben, on va commencer par là. On met la jambe, il y a des ballottes, et la ballotte qui a le chiffre le plus élevé sera la reine des reines de cette année. Alors, donc, vous choisissez. C'est le 6, monsieur madame. Madame Mourin, 25. Ensuite, ensuite de ce côté, qui c'est qui a la qui est reine? Oh là là. Thank you.
paillettes, hein, il en a touché, 43. Ensuite, on continue. Oui. Madame Audineau. 15 ans. 15. Après, ensuite, on... Ah bah oui, il y a des yeux. Madame Martineau. Ensuite, hein? Qui c'est qui a allez, donc, allez, pour ceux qui c'est une ballotte. Hein? 84, hein? Madame Charas. Charas, 84. Hein? Et ensuite, hein? Neige. 79. Ensuite, les reines, hein? Alors Mireille, hein? Je connais pas Mireille, hein? Elle est mort. 86. Et après, il n'y en a plus. Bon, autrement dit, la ballotte la plus importante, Mireille Guyon. Oui, non. Donc la reine des reines cette année sera Madame. C'est une dame, hein. Ça commence par un L. Ça commence par un L. Tu peux dire qui? Le rouge. Donc c'est Madame Aladré. On l'applaudit. On l'applaudit. La reine des reines de cette année 2015. On l'applaudit. Je remets les ballottes dans la. Et maintenant, on va procéder à l'élection du roi des rois. Alors maintenant, on va recommencer par l'autre côté. Qui a eu des fèves parmi les messieurs? Qui c'est qui a avalé la fève? Ah, c'est à la queue, là. Allez. Au pauvre ami, à mon avis, Pierre, t'as du mal, hein? 89. À moins que tu fasses 90. Oui. Ah mais là, pour les rois, c'est le plus petit. Non, toujours le plus grand. Allez, tu as une chance sur... Cherche bien. Casse les bœufs, là. Casse les bœufs. C'est le petit pois, toi, Camille, là-dedans. C'est le petit pois. Non, on a la oui, 69. Bon, ben, il y a eu que deux. Ben donc, c'est un grand. Ah oui. Ben, vous avez une grande chance, hein.
Les gars. Oh pétard, on pensait que c'était monsieur Roumette. Moi Nanta, c'est le roi des rois. Allez,